Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et à l'occasion de la nouvelle année, je souhaitais tout d'abord vous souhaiter à tous une très bonne année. Bon, on est le 6, ça commence à tarder, mais en tout cas voilà, une très bonne année à tous, j'espère que ça a bien démarré pour vous. Et aujourd'hui, pour fêter un petit peu l'ambiance festive de la nouvelle année, j'avais envie d'avoir un petit peu de musique et de danser, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va partir sur du Block Party. Voilà, j'en ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne, c'est vraiment un mini-jeu que j'adore vraiment. Donc on est sur le serveur IVMC, et puis écoutez, hop, on va le cliquer dessus, comme ça on arrive directement au niveau des lobbies du Block Party. Donc petit rappel, c'est, hop, on va aller dans celui-là, c'est l'équivalent de la chaise musicale dans Minecraft, avec, il y aura de la musique. Donc voilà, je me suis dit, c'était l'occasion, la bonne année, c'est un peu festif, c'est, il y a de la musique, etc. Et on va rester dans cette ambiance plutôt bonne, et on va se faire un petit peu du Block Party. Voilà, donc on va voir un petit peu comment on se débrouille en 2018. Hein. En 2017, j'avais déjà fait quelques vidéos sur ce mini-jeu, mais c'est vraiment un des mini-jeux que j'aime le mieux. Ok, voilà, il y a la musique qui se lance, donc tout est bien, qui est préparé en tout cas, voilà, parfait. Hop, je vais juste me mettre sur le cinquième slot, comme ça. Donc voilà, on a comment dire, une espèce de damier de couleur, des fois ça représente quelque chose, des fois rien. Et en fait, il y a une couleur qui apparaît, voilà, là par exemple rose, alors il faut que j'aille sur du rose, là, je vais dire, ça va être compliqué, parce qu'il y en a très peu. Oh bah regardez, alors là, tous ceux qui ont perdu... Hop, et donc le but c'est d'être le dernier à être encore vivant sur la plateforme. Donc là on est encore, il y en a 3 là, on est encore 6, mais voilà, donc globalement je me débrouillais assez bien sur ce mini-jeu. En fait, dès qu'il n'y a pas besoin d'avoir du skill ou du PVP, globalement je m'en sors beaucoup mieux. Hein. Donc c'était plutôt cool, et puis il y a de la musique, il y a de l'ambiance, c'est vraiment un mini-jeu très sympa, quoi. Hop, alors pour l'instant, on s'en sort bien, mais les autres aussi. Allez, l'objectif, ce serait quand même d'en gagner une aujourd'hui. On va réussir, on est encore 4. Ah ouais, ils sont passés où les deux jeux? C'est pas fait là. Marron. Ah non, encore 4. On va essayer d'être le meilleur, on est en demi-finale là quand même. Marron, hop. Ah non, on est 5, il y en a un qui avait disparu, je sais pas ce qu'il y avait. Hop. Allez. Magenta, juste ici. Ok, il y en a là. Ah, il y en a un qui a perdu. Ok, on n'est plus que 3. Attention, on s'approche de la finale. Blanc. Là, il y en a là. Et donc, plus ça va, plus les délais sont rapprochés. Hein. Donc moi, on attend pour aller sur la couleur. Évidemment. Alors, vert. On va voir. Ok. Bon, allez, se défendre. Voilà. Ces plans comme ça, souvent, ces motifs comme ça, généralement, il y a très peu de défaites. Vu que ça fait des grands cercles partout, il n'y a pas trop de risques. Orange. C'est mort pour moi. Ah, est-ce que les autres sont tombés? Ah non, ils ont réussi. Bon bah écoutez, en tout cas, GG aux deux là. On va les regarder. On va se mettre en spectateur. Ah, comment on fait? Ah voilà, comme ça. On va regarder du coup comment ils se débrouillent. Bon bah ce sera pas cette partie-là que je vais gagner. Hein. Tant pis. Hop, on va voir comment ils se débrouillent un petit peu. Là, celle-là, ça devrait aller, je pense. C'est comme ça que ça permet de voir les motifs également. C'est des fois c'est plutôt beau les motifs. Je pense trop ce que ça peut représenter à des moments, mais il y a des fois où... Ah, on a un gagnant. Bon, moi game over, mais lui en tout cas il a gagné. Bah écoute, bravo à toi. Qui c'est qui a gagné du coup? C'est je ne sais pas. Bon, ça a été affiché en gros, mais j'ai pas vu du coup. Bon. C'est pas grave. Alors, du coup, on est reparti pour, une nouvelle partie. Ah, voilà, parfait. J'ai réussi à y aller. Alors, est-ce que je peux voter pour des musiques? Ah non, je peux pas voter. Bon, tant pis.
On peut voter, non? Non, toujours pas. Pourquoi le vote, il est pas activé? Normalement, on peut voter tout le temps. C'est pas grave. C'est l'heure de... Ah, y a pas de musique? Oh, y a pas de musique? La déception. Oh non! Bon, des fois, comme ça, ça bug. Y a pas de musique. Bon, c'est pas grave. On va juste entendre les enfants. Voilà. On entend les enfants qui font, ouais, super! On est content. Y a pas de rouge, là. Tendu. C'était tendu. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Même sans musique, on peut jouer, hein. L'important, c'est d'avoir les blocs dans la main et puis de voir, du coup, où est-ce qu'on peut aller sur les couleurs. Hop, donc je pense que là on va finir cette partie-ci, donc soit je vais gagner, soit je vais perdre, on verra. Mais après on va tenter autre chose, puisque en fait sur ce mini-jeu, sur le bloc party, ils ont rajouté, alors je sais pas quand, mais je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, ils ont rajouté un mode hardcore. Et le mode hardcore, il est un peu plus compliqué. Honnêtement, il est pas si compliqué que ça, je trouve. Mais il y a quand même des petites différences, donc je pense qu'on le testera après. Enfin, je l'ai déjà testé, mais je vous le montrerai du coup en vidéo. Et on essaiera de se faire pareil, 2-3 parties en mode hardcore. Voilà, on a commencé calme avec justement des parties simples. Oh, bah, pourquoi il a sauté? Il était sur la bonne plateforme. Oh, on est plus que deux. Oh, il y a des chances que je gagne. Ouh, la vache. Ouh, non. Il a perdu aussi ou pas? Ah non, il a gagné, mince. Ah, mince. Ah, j'étais vraiment à côté. Bon, bah écoute, bravo à toi, mon petit. Mais non, ils mettent pas les noms dans le chat. En fait, le nom, ils le mettent en plein milieu de l'écran. On voit, ouais, machin a gagné, mais du coup, vu que je parle en même temps, je lis pas forcément le milieu de l'écran. Hop, on va aller sur celui-là. Voilà, et on va activer le mode hardcore qui est donc cette petite truc là, et on va confirmer qu'on active le mode hardcore. Donc là ça y est, il est activé, vous allez voir, il va y avoir un petit peu plus de difficulté, mais je crois qu'il nous l'explique au début. Ouais, c'est ça, hardcore mode, ça veut dire qu'il n'y a pas de clé de couleur, il n'y a pas de bonus, on voit pas... Bon, attendez, je joue et puis je vous explique au fur et à mesure. Donc en gros, on ne voit plus les joueurs, donc on sait plus où les autres se dirigent, en fait. On ne voit plus le bloc de couleur dans la main, ça veut dire que du coup on peut pas savoir la couleur. Et on a plus le droit au bonus, enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on a plus le droit. Mais depuis tout à l'heure, on vous dit, bah, comment du coup j'arrive à avoir la couleur où je veux aller en fait, et comment savoir où est la bonne couleur. Alors si vous regardez au-dessus de la barre de vie, hop, au-dessus de la vie et de la fin, donc à peu près à ce niveau-là, il y a marqué le nom de la couleur. Et c'est le seul indice qu'on a du coup en mode hardcore. C'est, il y a marqué le nom de la couleur. Là, il y a marqué brown, donc brown, marron. Il faut que j'aille sur du marron, tout simplement. En sachant que, je vais vous montrer sur le prochain. Regardez bien au-dessus de la vie et de la fin. Hop, là, il y a marqué blanc. Bon, c'est marqué blanc en blanc, ça va. Mais des fois, il y a marqué vert et c'est écrit en rouge. Donc, c'est complètement déstabilisant. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'on s'y est fait, vous voyez, là, c'est marqué orange alors que c'est en bleu. En fait, faut aller sur le orange. Faut aller sur la couleur qui est marquée. Une fois qu'on s'y est fait, honnêtement, il n'y a pas de grosse difficulté. Voilà, là, bon, blanc, white, blanc. Faut juste connaître le gros inconvénient, oui et non. Faut juste connaître les couleurs en anglais. Voilà. Alors que avec l'autre, on n'avait pas besoin des couleurs. Alors par contre, voilà, bien. Il faut quand même trouver la couleur parce que c'est quand même ça le jeu. Mais voilà, il faut juste connaître les couleurs en anglais et puis vraiment, on s'en sort très bien. Orange. Voilà, parfait. Hop, mais vous voyez que en fait, bah, les gens qui jouent en hardcore et ceux qui ne jouent pas en hardcore jouent sur la même carte, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. Hein, c'est juste que on se met une petite difficulté en plus, mais finalement, c'est le même jeu. Alors gris ici. Hop, parfait. Alors c'est là que du coup, faut pas confondre entre gris clair, bleu clair, cyan, orange. Et on voit plus, oui, du coup, c'est ça qui est. On voit plus des joueurs, mais en fait, ils réapparaissent au moment du résultat. Donc, des fois, vous vous retrouvez dans des joueurs. Non, je l'avais vu. Ah mince, ils ont gagné. Bon, ils ont gagné. C'était bravo à eux. Enfin, en tout cas, ils ont pas gagné, mais moi, j'ai perdu. Ah, j'étais pas loin. Je l'avais le marron, mais j'ai pas été assez rapide.
Allez, on va les regarder du coup. Ils sont plus tous les deux. Allez, allez, allez. Sion. Ok. Mais voilà, du coup, vous avez vu un peu le mode hardcore. Au début, je comprenais rien. Honnêtement, je comprenais rien parce qu'en fait, il y a des couleurs qui s'affichent là. Il y en avait qui s'affichaient là aussi, dans le chat là. Je crois que c'est surtout au début. En fait, il y a des couleurs qui s'affichent là, mais on se dit, mais... faut que je suive laquelle. Et puis des fois c'est marqué en bleu alors que c'est rose. Enfin des choses comme ça. Au début on sait pas trop quoi. Ah bah voilà, elle a perdu. Donc c'est toi qui as gagné. Écoute, bah voilà, Muridus. Muridéus. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se prononce. Muridéus. Écoute, bravo à toi. Moi j'ai un game over. Écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais du coup, bah, on va quand même essayer. Le but ça va être d'en gagner une aujourd'hui. Ce serait bien quand même. Alors, bah je vais attendre un petit peu le temps que... parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que j'étais un petit peu vite, et du coup, il a pas capté que j'avais changé de lobby, donc on va peut-être pas prendre le premier. Voilà, on va prendre celui-ci, là. On va attendre juste qu'il y ait quelques personnes qui aillent dedans. Hop, voilà, 5-6. J'espère qu'il a bien identifié que j'ai changé de truc, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu de musique, c'était triste. Alors, est-ce que je peux voter? Ah, je peux voter, cool. Marcher sur les murs, turbo, pingouin, superstar. Ah, superstar. Il faut qu'on soit une superstar sur la piste de danse. Il faut qu'on arrive à gagner une partie quand même. Parce que j'espère que je vais m'améliorer en 2018 quand même. Allez, hardcore mode, ça veut dire il y a pas de couleur, il y a pas de cooldown, il y a pas de vous êtes tout seul. OK, blanc. Ah, on a la musique en tout cas. Ouais, c'est ça, faut pas trop se presser entre les changements de hub parce que sinon il capte pas qu'on a changé de hub. Et bah on n'a pas de musique, c'est normal. On perd 10, 20 secondes et puis voilà. Green. Non, c'est pas celui-là. Green. Ah, je l'avais pas. Oh là là, il en a été énormément à perdre. Donc, c'est dommage. Green, c'est le vert foncé. Hop, bah voilà. Au moins, on va pouvoir voir. Ah, il y en a que 3 qu'on réussit. Ah, regardez, celui-là, il est beau quand même. On se rend pas forcément compte. Hein. Ok, bleu, ça va. Il y a eu des nouvelles musiques. Il y a plein de musiques que je n'ai jamais entendues. J'ai joué énormément à ce jeu. Ok, bleu clair. Oh, il a glissé, pourquoi? Dommage, il est déçu. Ok, attention, il reste de là. C'est quoi comme couleur? C'est noir. Ah oui, c'est vrai que du coup j'ai désactivé le F1. Là. En fait, on ne voit pas la couleur. Vert clair. Là. Oula. Ouais. Ils les ont. On vous regarde, là. Vous êtes espionnés. Allez-y. Qui va être le grand gagnant? Jaune. Un peu partout. Ok. Allez. Bleu. Ouais, la vache. Celui était déjà arrivé, hein. Ah, c'est bon, on va voir à un moment ce qu'il va faire. Bon, là, je pense pas trop de la peur. Ouais, limite, toi, t'as de la chance, hein. Hop, mais il y a des maps comme ça qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Parce que là, vous voyez, vous mettez par là, en gros, vous avez accès facilement à toutes les couleurs. Et en fait, vu que c'est symétrique, vous pouvez vous mettre là, ou là, ou là, et il y a accès assez facilement aux couleurs. Et je pense que c'est assez tactique dans ce sens-là où il faut jouer. J'allais dire, il n'y avait pas 3 personnes, mais c'était une vache. Oh, voilà. Ouais, ok, il reste au même endroit, donc... Ouais, il dure longtemps, hein. Il dure longtemps. Alors là, attention, là, ça va peut-être casser, parce que si c'est rose clair, hop, il va falloir aller là-bas. Ah non, c'était orange. Ouais, hey, il dure. Voilà, ce serait drôle, un gros clair. Il y en a d'une part. Ah, voilà, il a perdu. Bah écoutez, la soumise de Léa, bah écoute, bravo à toi, tu as gagné cette partie. Bravo. Bah écoutez, on va essayer d'en refaire une. Et puis j'espère la gagner quand même, il faut en gagner une. Allez, hop, on change de mode, donc on change pas trop vite, hein, parce que comme ça, au moins, on aura de la musique. Ce serait quand même bien d'avoir de la musique pour la dernière partie. Hop, allez, on va choisir un nouveau hub. J'hésite, quand il y en a plein qui sont à 18, j'hésite sur lequel cliquer. Allez, on va cliquer sur celui-là qui a été à 12. Parfait.
Bon, là, je pense que j'ai attendu assez entre les deux. Allez, on va voter... Ouais, New Game, tiens, allez. On fait une nouvelle partie, New Game, allez, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est carrant, c'est cohérent. Hop, bon, après, je connais pas les musiques. Oh, lui, il a un... On croirait qu'il avait un costume de la team Rocket, sauf que c'était pas un R, c'était un D. Alors, parfait, il y a de la musique, en tout cas. Et il faut qu'on aille sur le jaune. Voilà, allez, on est parti, du coup. Bon, le premier niveau, généralement, est très simple. Allez, c'est parti, vraiment. Le jeu commence maintenant. Sion. Et là, il va pas falloir faire de bêtises. Celle-là, on veut la gagner. On veut la gagner. Ah, voilà, c'est bon. On élimine les adversaires au fur et à mesure. Là, pour rien faire, c'est marrant. C'est bon. Ouais, du coup, on voit pas les autres. Alors, le petit truc qui joue, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais en fait, on voit les particules. On voit les particules. Donc là, par exemple, on sait qu'il y a quelqu'un ici. Hop, bah, ah bah oui, non, elle a... Enfin voilà, je sais pas si c'est volontaire. Je pense pas. Vert, c'est ce vert. Oh. On est quand même encore pas mal. Oh là, il y a eu une pluie de je sais pas quoi. Marron, là. Ah, il va peut-être y avoir des éliminés là. Ouais, je m'attendais à plus d'éliminés. Pink, là. Rose clair, du coup, c'est celui-ci. Parfait. Pas d'éliminés, hein. Pas s'en aller. Alors, rose, parfait, je vais diriger par là. Oh, il va y avoir de l'éliminer là. Oh oui. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de rose. Honnêtement, j'ai eu un peu de chance même. Je vais diriger vers le bon côté. Marron, hop. Oh, il y a eu le bruit de Mario. Il y a eu le bruit de Mario, il avait fait tulut, tulut. Alors, allez. Ah, il y a encore des gens avec des bonnets de Noël. Hein. Ok. On est encore 3. On est 3. Oh. Peut-être méchant, hein. Line. Ah, je sais pas où ils sont, mais du coup, on... c'est la surprise en fait quand ça réapparaît, on sait où ils sont. Voilà. Green. Ouais, c'est bon. On est plus que deux. Je suis en finale. Il faut gagner. Allez. C'est pas idéal de gagner. Light gray. Light. Ah non, mince. Oh, j'ai lu light gray. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, tant pis. J'ai lu light gray, j'ai pensé light green. Et j'étais sur du vert clair au lieu du gris clair. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, tant pis. Bravo à toi, du coup j'ai pas noté ton nom. Bon, on était en finale quand même, c'est pas trop mal quand même. On s'en est plutôt bien sorti. Et puis bah écoutez, hop, je vais retourner au niveau de où j'étais quand j'ai démarré la vidéo. Parce que c'était plutôt cool en fait, ils ont rajouté... Pareil, c'est peut-être pas récent, mais vu que je viens pas forcément ultra souvent sur le serveur, ils ont rajouté des petits panneaux là, et je les trouvais super beaux ces panneaux, c'est pour ça que j'ai commencé l'épisode ici en fait, avec à côté il y a un petit mec en costard et tout, qui était plutôt sympa. Bah écoutez, on va se laisser ici, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, donc un peu à l'occasion de la bonne année, pour bien rester sur une note de musique, de danse, de festif, eh bien, voilà, cette petite vidéo sur Block Party, avec la découverte du mode hardcore, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, bye tout le monde!